Bonjour, l'objectif de cette petite vidéo est de vous donner un aperçu du mode de fonctionnement de notre système PPMS. La maquette réalisée pour cette démonstration reproduit les principaux modes de fonctionnement du PPMS. Le système est constitué d'une centrale, d'un clavier de commande, de boutons d'appel d'urgence, d'une sirène à message, d'un récepteur radio et d'un émetteur portable. Passons à la pratique. Déclenchement d'une alerte intrusion. La durée et la teneur du message est bien évidemment programmable. Le clavier va nous permettre de stopper l'alerte et surtout de signaler la fin de celle-ci. Différents types d'alertes sont paramétrables. Précédemment une alerte intrusion et maintenant une alerte de confinement. Suite à un événement exceptionnel, nous vous demandons de rejoindre les zones de confinement. Suite à un événement exceptionnel, nous vous demandons de rejoindre les zones de confinement. Le positionnement des différents périphériques se fera en fonction de l'usage qu'il en est fait et de la configuration de l'établissement. L'émetteur portable permettra de déclencher l'appel de n'importe quel endroit. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Le clavier de commande permet le paramétrage du système et son utilisation. Il permettra de connaître l'origine de l'appel et le lieu de celle-ci. Chaque événement est clairement décrit et enregistré dans la mémoire d'événements. C'est avant tout un système de sécurité qui continuera à fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Merci de votre attention et à très bientôt.